Bonjour YouTube, bonjour YouTube, ici Moutou, bienvenue sur Immersive TV. Hey, je vous ai fait un effet genre ralenti, c'était pas facile à faire. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je sais même plus ce que j'allais vous dire. Ah oui, ouais, saison Valguero, non pas du tout. Oh là là, ça va pas du tout là. Non, on la garde, vous inquiétez pas, je vous la garde. C'est bien, c'est rigolo. Qu'est-ce que... Renaissance, merci. Renaissance, donc saison pas 14, parce que c'est pas une saison à proprement parler, c'est votre épisode, votre série du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, ça y est, là, j'ai mes idées qui se remettent en place. Je peux dire que je fais pas mal de montage en ce moment, donc à la fin j'ai le cerveau un peu en ébullition. Bref, du coup... Du coup, Renaissance, on va aller sur Extinction tenter de faire un... Comment ça s'appelle? Un orbital. Vous allez voir que les orbitaux, ils sont surveillés. Allez, à toutes dans la vidéo. Tout ça pour ça, quoi. Allez, à toutes. Ouais, le bureau, à tout de suite. Drop et ils s'embêtent pas, ouais. Je crois qu'on prépare des batteries, ouais. En plus, petite info, tu peux recharger les batteries dans les... Ouais. Dans les Schwilbig sur Extinction. Ouais, c'est pratique, bah, ça. Alors, est-ce que j'ai un truc dans le coin, là? Attends, là, je vais... Y'a pas l'air d'y avoir de gens autour. On l'active? On peut commencer, ouais. Vas-y, est-ce que j'ai un orbital dans le coin? Enfin... Il est à pied. Ouais, c'est chaud. Ah, t'es chaud. Y'a celui-là là-bas que j'ai fait la dernière fois, mais il est dangereux de ouf, hein. Je me souviens plus, il faut se mettre à côté, c'est tout, non? Ouais, ok. Vas-y, qui a peur est un peu heureux. Je le tente. Le 19, The King. Merci, Goka, pour les 5 bits. C'est un T-Rex, pas loin. Je me demande s'il faudrait pas le faire, le Rex. Non, on peut pas mettre de tourelle dessus, ça se pose pas. Tout ça a été énervé. Sur les plateformes. Avant, ça marchait. Avant, c'était la bêta Ketzal avec tout le tour dessus. J'ai déplacé sur la map, tous les éléments, tout ce qui passait. Par contre, Jean-Michel Jarre, c'est obligé à chaque fois, quoi. De quoi? Vas-y, je vais le faire. Bon, je comprends pas pourquoi ils ont mis un son de ouf. Ah oui. Allez, je tente. Capeur est un peu heureux. Let's go. Faites hostile, comment on va faire? Courage. Allez. Allez. Spot pas, Spot pas. Oh, une baleine. Extinction. Go. On arrive. Je pense que Moutou l'a mis une demi-heure tout à l'heure pour ce que je viens de faire en 10 secondes. J'ai pris des risques. Et puis j'avais rien à perdre. Alors que Moutou si. Même pas je relève parce que c'est tellement petit et nul de faire ça que... Mais c'était juste une petite boutade entre amis, tu sais, pour charrier, c'est pas méchant. Je t'aime bien Moutou, tu le sais ça. Oui. T'aimes vraiment, t'es mon quand copain. Quand ça t'arrange quoi. Oui mais ça... Mais merde, il aime pas quand t'es méchant comme ça, ouais. Vas-y, je vais prendre Nino pour la peine et je vais la faire mourir. Ouais, je suis dessus. C'est de dérouler, gars, que je suis devenu. Derrière la base. Derrière à droite. Derrière la base. Ouais. T'arrives, hein. Y'en a un qui tape le shield, je crois. Où il est? Derrière, sur la droite, là. Ah, y'en a un autre qui tombe là en plus, à droite. Vous voyez? Ah, attends, moi je peux lui faire des. Ah, salut. J'ai passé une première étape, non? Ouais. Il y a un cœur qui est passé à travers, non? Derrière à droite, donc direction Biome Désert? Non, l'autre côté. Ah, à droite, ouais, à gauche, mais oui, ouais, voilà. Ah, je vous fais attaquer! Sérieux? Ouais. Il m'a chopé. J'arrive. Ah, donc on a quand même buté. Ah, ouais. Putain. Ah, repro des gars, ils sont deux. Ils sont deux. Ah, ils vont nous embêter, hein.
t'es garfoutou. Sif, putain, et putain, pourquoi? Il est, il a popcorn le stuff là. Ils ont droit en PvE. En sauvage. Il est en Terra ou en Argentavie? En Argentavie. En 2, c'est ça, Mutsu? Ouais. Ouais, fais gaffe. Sif, c'est Sif le. Il est en Terra, Mutsu. J'ai grab le mec sur son. Vas-y, tue-le. Ouais, mais j'arrive pas, j'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont increvables. Ah, ça y est. T'as tué Spook, y'a un autre mec là. T'as chopé. Tu m'as. Ah, t'es vu. Prenez les Pteras et revenez avec les Pteras. Ouais, les Clélie sont là. M'a chopé. Il va me tuer. Ah, j'ai pas eu le temps de siffler. Pourquoi il m'a chopé? Moi j'étais au-dessus de lui. Aïe aïe aïe. Et j'ai j'ai pas pu passer l'argent en. En quoi? Non, là vaut mieux qu'il soit comme ça en l'air, il va galérer à la tuer plutôt que de me siffler, il va juste les poules sur sa base. Hein. Ouais. Vas-y, en terrain, hein, coup de bite, direct. Ah, j'ai le timer PVP là. Ouais, le coup de bite doit pas l'avoir. Il est mort il y a plus de 30 secondes maintenant. J'en ai tué un, j'ai son stuff dans l'argent, mais l'autre, je sais ouais, pas. Ouais, j'ai vu. Je suis arrivé juste après, j'ai essayé de te sauver. Mais j'aime pas du tout l'argent de ta vie pour grappe. C'est toujours la guerre, c'est pour ça que ce serveur, je voulais pas qu'on mette notre main ici. Voilà, bien fait. Nino va mourir, yes. C'est la bonne nouvelle. Et je peux repop dans 10 secondes, moi, et toi, Mutsu? Ah, j'ai spawn là. Ok, vas-y. La Optera déjà sera pas la même. Hein. Ah, mais. What the fuck? Oh putain, fais chier ce jeu de merde. T'es arrivé? Bah, on a juste spawn en même temps sur le lit, et du coup, j'ai. Bah, je sais pas, j'ai peut-être pop en même temps que Kulba alors non plus? T'as pas cliqué? Non. Bah, je sais pas, j'ai spawn au fin fond de la map. Allez, go, la baston. Ouais. La baston. Bah, qui est pas ça, bah, c'est la guerre pour les cryos. Forcément. Par contre, c'est con d'être en ghillie parce qu'ils sont en métal et clairement, du coup, ils sont beaucoup plus résistants que nous, quoi. J'aurais dû me changer quand on est parti faire le truc. Ouais, aussi. Après, moi j'aurais dû prendre le fouet à la main, j'ai mis trop de temps avant de swapper, il m'a tué en 4 coups, il a un terrain spécial. Un argent de la vie qui en va se faire meilleur. Ça met du coup. Déjà. Oh, y'a un nouveau sub! Un Prime, Earthman! C'était où déjà le. La base? Bah derrière à droite, tu vois le. Tu trouves pas la base, Kulba? Enfin, la drop? Non, je trouve pas. Merci beaucoup, Herman. Ils y sont toujours les mecs ou pas? J'ai 2 argent à vie, 3. J'ai 3 d'argent à vie, c'est bon, j'ai 3 d'argent à vie. Il est. Peut-être qu'il est parti chercher son pote. Enfin. Ouais, mais du coup, il y a les machins qui tapent. Vas-y, je ramène les argent à vie à la base. Ah, mais on peut reprendre. J'arrive. Non, mais je les ramène à la base, comme ça, on peut se faire. On est à poil, hein. T'as un stuff dans un. On le pose à la base, on reprend les argentes, il y en a un qui vient en Terra pour cover. Le mec est là, je le vois, hein. Ils sont en dessous, ils sont tous les deux. Mais ok, mais moi je peux pas les trade, j'ai pas d'armure, j'ai rien. Il t'a tué comment, Kulba? T'étais quoi, en Terra? En Terra ouais. Sûrement, ouais. Un fusil, il m'a tué. Bah, s'ils sont Terra, ramène-le, là on est à poil sur nos Terra, ils vont le Ouais, ouais, non, mais je peux pas siffler, je peux pas siffler. Tu peux siffler le Terra? Non, je suis pas allé jusqu'au Terra. Je suis remonté, du coup, okay. Je suis à poil, je vais me prendre une balle. Ah bah, t'as. Faire gaffe, hein, si t'as tué, c'est suffit d'avoir un gros pompe ou un truc comme ça. Vas-y, go, on remonte. Sont revenus, au moins on a perdu aucun mob. Il va y avoir un stuff dans un des argentes. Ouais, d'accord, ils ont déjà du meilleur stuff que nous. Hein. Faudrait récupérer le Ptera là-bas. Hein. Il est mort le Ptera. Je suis à poil. Il est mort le Ptera de Ouais, bah, il s'est fait buter. Ouais.
Oh, c'est des souilles. Ouais. Des souilles, il est mort. Yes. On a pas un peu plus de... Parce que là, on a rien en fait. On est parti, mais on a rien du tout sur cette map encore. On est à peine d'un bateau de base. Ah, attendez, mais comment on monte? Ça me saoule. Earthman, si, je t'ai dit merci. Mais il faut y retourner là. Coucou Earthman. À cause de ce que tu fais. Moi j'ai une tenue en fourrure. Génial. Il y a la tenue du mec que t'as tué, Mutsu. On a rien d'autre. Ouais, bah je viens de la mettre la tenue. On peut pas y aller. Hein. À part si on a un peu de fibre, est-ce qu'on a un peu de fibre ici? Enfin, tenue en pompe. Ah bah non, c'est quand même. On va se faire buter. Si on est à poil, on prend un coup de pompe. Au pire, vas-y, prends sa tenue. Moi je viens en Terra. Mais je fais quoi? J'ai ça en argent? Bah, ce que tu préfères. Ouais, je sais pas, mec. J'ai pas de parachute. Non plus, hein, moi je suis à poil. Hein. Vas-y, j'y vais en argent. On regarde juste, on va pas au corps à corps, on regarde juste s'ils sont en train de faire l'orbito, on leur casse les couilles. Ça les empêche de l'avoir. S'ils veulent pas qu'on l'ait, ils auront pas, tu vois. C'est la guerre. Et là, c'est con parce qu'on a rien pour faire la guerre ici. On a même pas d'armes, on a rien de rien. On a juste ramené le stuff en mode de transfert. J'avoue que j'ai la flemme d'aller sur Center faire du matos pour revenir. Yes. Donc du coup, bah, pour les prochains, soit on vient avec du vrai matos ce coup-ci. Soit on s'en met pas, on pose des tourelles. Hein. Vas-y, moi je suis à l'airdrop là. Mais ils sont pas? Bah je sais pas, je suis au-dessus en tout cas. Y'a un mec en argent à vie. C'est... où ça? Bah à l'airdrop en question. Enfin, c'est toi en argent à vie? Non, c'est pas toi. Hein. Non, non, ouais, non, c'est pas moi, ok, ouais, d'accord. Sinon je leur pompe, hein. Ouais, mais c'est trop, il va te grapper, il va te tuer. Ouais. Ouais, sauf si t'as un grappin. Ouais, non, non, j'ai plus de stuff comme ça. Il m'a tout pris à... Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Sauf si lui, il en avait un sur lui, quoi. Mais ils sont trois, je crois, là. Je sais pas, moi je suis pas là. T'es où toi? Non, y'en a dans la vie sauvage aussi. Je me suis posé, j'avais plus de stam. Juste à côté là. C'est toi qui viens vers moi là? Non, c'est pas toi. Non, ça m'étonnerait. Moi je suis en l'air entre la base et le truc. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai plus de jumelles. Ils te suivent, je pense. Ouais, mais ils me suivent pas longtemps. Ils sont sur la base? Non, non, ils me suivent pas longtemps. Je sais pas ce qu'ils font. Ah ouais, ils vont essayer de le faire. Ah ouais. Le problème c'est que je prends une balle sur le terrain, je suis mort. Hein. Mais je me demande s'il y a pas un Terra posé là. Ils viennent sur ma gueule. Toi là-bas? Moi je fais le tour hein, et ils sont sur ma gueule. J'ai envie de faire un truc mais c'est con parce que bon... Récupérer un peu de stuff. Non, parce que lui, c'est leur casser les couilles pour pas qu'ils puissent avoir l'orbital. Tu vois, genre là ils sont sur moi et du coup les Terra qui foncent sur l'orbital. Ouais, bah ouais. Lui j'ai envie d'y aller, faire des toupies dans l'orbital pour le péter. C'est toi là? Ouais, c'est moi à côté de toi. Bah, y'a un mec en argent à vie qui essaie de me suivre. Vas-y, vas-y, y'a tous les Terra qui vont dessus là. S'ils veulent pas qu'on l'ait, bah ils l'auront pas non plus. Y'a un autre qui s'écrase d'orbital. Ouais, là y'a un Stego aussi qui tape dessus. Vas-y, vas-y, il faut qu'il le pète. Pétez-le, pétez-le. Ah là, du coup, ils osent pas défendre, je pense. C'est ça qu'on est aux alentours en train de les empêcher de le faire. Ouais, le problème c'est que j'ai pas d'imprint sur le. Qu'est-ce qu'il fait? Il se casse, on dirait. J'ai pas d'imprint sur le machin là, c'est con, du coup je vais pas plus vite. Ouais, c'est con. Ah, ils se barrent, hein. Ils vont vers l'autre d'orbital. Celui qui vient de tomber. Ah, je crois qu'il est cassé, c'est bon. Ouais. Ils l'ont pas eu! Yes! Ah oui, faut les suivre, faire l'autre avec eux. Ouais. Bah, ils vont vers l'autre. On les empêche de faire l'autre. Ils sont posés, ils sont posés au pied de là où on est installé. Enfin, un pied. En bas, quoi. Ok. Ah, ils les ont niqué un orbital, on va leur en niquer hein. Alors là. Alors là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, ils viennent vers moi, je crois. Mais il est sur la base, hein, ça va les surprendre. Hein. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire, mais. Mais j'en vois deux qui montent vers la base. Là. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis au-dessus d'eux. Eux, ils sont tous les deux en dessous de moi. Ah, ils montent vers moi. Ils montent vers moi, ils montent vers moi. Ouais, je suis à côté d'eux là. Ils se demandent de... Ah bah tiens, t'as un. Ils sont sur ma gueule, je crois. Oh ouais! Venez les dents dans ta vie! Ouais, non, je remonte tranquillement, mais si je remonte en piqué, ils vont juste lâcher.
Pourquoi il parachute? Qu'est-ce qu'il fait? Il est posé, il a essayé de me mettre une balle, un truc comme ça. Les gars, c'est comme ils sont posés, il a une seule balle, je meurs. Ah, si je pouvais avoir juste une sniper. Sniper? Ah, sniper. C'est toi qui est là? Ouais, c'est moi. Ils sont juste là. Ouais. On arrive à les faire monter jusqu'à nous. Ouais. Ouais, ils montent là, gentiment mais sûrement. Ouais, gentiment mais sûrement. Mais là, le problème c'est que c'est pas assez caché. C'est tellement flag là-haut qu'on a une base. Regarde, on les voit d'ici les trucs. Rasse, on peut les surprendre. Comme les départs derrière. J'ai envie d'y aller, mais c'est à quoi mourir. En vrai, moi je vais y aller, hein, parce que même s'ils me grappent, au pire je meurs, tu siphons le terrain. Ouais, ouais. Ah, il se barre. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, dommage. Loupé. J'ai vraiment peur les grappins. C'est vraiment une mécanique de bataille dans les airs qui me saoule. Allez, combat de volant. Il faut c'est lancer le grappe avant. Oh, j'ai pris une balle. Il y en a un qui s'est posé. Hein. Ouais, je sais pas où il est celui qui s'est posé. Pas non plus. Pas trop dessus, je sais pas. J'ai pas ma stam. Avec le terrain, ce qui est bien, c'est que le temps du grappe il dure longtemps. Et du coup, tu peux l'envoyer bien avant et te rapprocher et toucher du coup au dernier moment. Ah, ce qu'il faudrait c'est activer l'autre loot, hein. Comme ça ils l'auront pas non plus. Hein. Tu les vois ou pas? Ouais, ils sont en dessous là. Je sais pas s'ils sont partis ou pas. Non, ils sont toujours là, ils bougent pas, je sais pas ce qu'ils font. En dessous à quel niveau? Là, tu vois le truc où il y a la base en... petite base en bois là? Ouais. Le niveau du dessous. Sur la gauche. Voilà. Ah, parce qu'ils sont posés, je pense qu'ils essaient de nous mettre des balles. Ah oui, ils sont posés, ouais. Il est airdrop, il est où du coup l'airdrop? Je sais pas, je l'ai entendu tomber de l'autre côté l'airdrop. Mais tu sais quoi, j'ai envie d'aller l'activer juste pour pas qu'il l'ait. Je me demande s'il est pas tombé. Je me demande s'il est pas tombé là où il disait cool vite. Où ça? Bah dans les zones derrière là. Ah, ça va faire loin, hein. J'ai pas envie d'aller jusque là-bas, je t'avoue. Je sais pas ce qu'ils font, ils retournent vers le centre de Sanctuary. À côté de la base, ouais. En haut ou en bas? Je fais genre je grab là. Comment il s'appelle le mec? Ah, c'est pas toi là, si c'est toi. C'est Spook, tribu de Buzz. La tribu de Buzz. Déjà Nopex. Essayer de les contourner. Je sais pas où ils sont. Hein. Ils sont partis. Ah si, ils montent, ils montent, ils montent. Ils arrivent vers la base. Ok, ils m'ont pas vu. Ouais. Putain, j'ai envie d'y aller. Oh. Putain. Ah, j'ai envie d'aller poser le stuff. Il veut nous mettre le terrain. Vas-y, t'es là en backup pour siffler mon Ptera. Ah, mais y'a un mec qui est grappé en fait. Ah, ils sont grappés l'un l'autre ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils sont grimpés l'un l'autre, c'est débile. Vas-y, go, go. Bas, attends. T'as dit quoi, Colbit? Ah, bah j'ai tiré. C'est moi, j'ai tiré au pont. Je vais mourir, prends mon Ptera, prends mon Ptera. Ah, bah attends, mec. J'y arrive. Vite, vite, vite. Mais vite, 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 tu te rends pas compte. Bah, je t'avais dit de backup, mais je me battais avec eux. Ah, mais gros. Hop. Désolé, Ptera, ils vont le tuer sinon. Oui, j'y vais, mais bon. Gaffe, eh, mais voilà, j'en étais sûr. Ah, y'a une hiverne. Ouais, monte. Ça pour un Ptera quoi. Ouais, j'arrive. J'arrive à essayer de te grapper. Oh, t'as la guerre. Mi-tour, on monte. C'est bon, t'as eu le Ptera? Ouais, c'est ah, bon. C'est bon, tu l'as eu. Ouais, ça tire pas. Moi, j'étais en PVE, j'ai repop direct. Mais parce que c'est pas. C'est nous ça. C'est le Ptera, c'est ouais. À nous, tu Colbit. Ah, d'accord. Eh ouais. C'est le mien. Bon, du coup, on a rien perdu. En vrai, faut juste que je joue au Ptera. Hein. Du t'es juste à côté, tu siffles dès qu'il me grappe et on s'en fout quoi. Là il a bien géré avec son fouet, c'est pas cool. Il a eu du vol hein, parce que le fouet c'est vraiment agréable. Il m'a mis un coup de fouet direct, c'est fait. Moi j'aime bien faire des combats tout nus. Quand tu meurs tu perds rien. Bah un combat tout nu. Donc ils sont trois c'est ça? C'était quoi la wyvern du coup? Ouais, elle, ils sont en train de temporiser, je pense que c'est un de leurs potes qui est arrivé avec ouais, la wyvern. Ouais pour ouais voilà. Mais de toute façon on peut pas les trail les gars, on a absolument aucune ah bah, on a rien ouais. Ici. Clairement non.
Là c'est juste les regarder, c'est pour ça que je tente Optera, parce que quand ils sont en argent ta vie, si je les gratte puis je les fais tomber, bah c'est du stuff gratos et on a rien à perdre. À partir du moment où t'es juste là pour siffler l'Optera. Ouais, je vais poser ce que j'ai récupéré sur eux du coup. Mais je crois qu'il y a des mecs qui empêchent vraiment de faire toutes les cryos. Apparemment il est dans le chat que Benmi n'a pas pu faire un seul loot hier. Alors que eux ils sont... leur base elle est ici tu vois. Ah tu vois il s'est posé là devant là et... il est là tranquille avec son argent de ta vie. Je pense que eux leur but c'est de nous empêcher de faire les cryos sur la map. C'est sûr. C'est quoi moi je vais aller sur je vais retourner sur Hunter. Là ils peuvent rien faire hein. Ils peuvent pas venir. Ouais c'est de venir. Ouais mais il va faire quoi? J'ai envie de faire un truc en Ptera. Oh l'œil là. Oh c'est argent, t'es en argent d'avis toi aussi ou c'est ça? Non moi je viens de me... j'ai posé tout le staff là. T'as fermé la porte? Ah mais faut y faire à deux hein, si tu veux y aller avec le Ptera. Ah mais au pire il meurt le Ptera. Ouais mais c'est con, on a pas non plus des milliards, c'est le donner pour le donner tu vois. Vas-y ouais. À deux pour que tu le siffles tu vois. Avec un deuxième, mais là ils ont la wyverne hein. Là tu vas juste perdre le Ptera. Puis ils sont juste en stand-by devant là avec les balles. Ils vont avoir du gros snipe et ils vont te tuer. Cherche pas, ça sert à rien. Ah ouais bah écoute. Moi je vais me faire un suicide. Yiha. Vont-ils me tuer en l'air? Hop, il arrive sur toi. Ah il pense que je suis tombé je pense. Oh y'a du stuff à récupérer. Y'a du stuff. Vite. Et la wyvern elle est où? Elle est partie. Je me demande si c'est pas lui qu'on a vu tourner hier. Aïe putain. C'est possible, merde de foudre. Non c'était pas foudre qu'on l'a vu tourner hier si. Genre, c'était pas m'a, feu. M'a vu quoi? Non elle était violette. Ah peut-être, on sait rien. Mais je pense que les mecs qui chassent en fait ils défendent leurs orbitaux. C'est une stratégie comme une autre, c'est une bonne strat en soi. Hein. On va juste préparer des comment on appelle ça Toi qui est au-dessus? Ouais je viens de me poser sur la base. Moi je suis pas là hein. Il y a Fano qui est en contrebas là. Ouais, bah là, non, là où je suis pas trop, pas hein. Au pire des cas, vous mettez tout dedans et vous allez sur center comme moi. Hein. Ouais, c'est sûr. Et là, on a rien. Pas les trades, on a juste rien. On a même pas une armure en peau. Ah, bah tu peux le grab en Ptera et le ramener vers la base. Il se fait buter par les tourelles, par exemple, tu vois. En Ptera, tu pourras pas le déplacer, Mout. Non, je vous le dis, là en fait, tout ce qu'on pouvait tenter de faire, c'était y aller au Ptera pour, comme je faisais là avec un mec ici, pour me aider à plusieurs. Oh bah on avait l'avantage. Mais à partir du moment où ils ont la wyvern qui est là en backup, on va juste se faire laser le Ptera, on va les perdre gratuitement. Ça sert à rien. Et la wyvern elle s'est barrée, vous avez dit non? Ouais, non, mais c'est pas un hasard si elle est venue nous attaquer. Hein. Oui, bien sûr. Coin, on va débloquer les charges là, les machins, pour les mettre sur batterie. Parce que on va pas mettre un pod à chaque fois qu'on veut faire un orbital. Oui, après au pire. Et on se mettra genre deux Evie et puis basta. Hein. Je vais venir nous emmerder, il va falloir qu'ils tankent les évites. Au pire, les orbitaux, on peut les faire à un moment où il y a moins de monde sur le serveur. Hein. Oui, voilà, c'est ça, on ira. On peut retenter plus tard. Non, mais on va faire un pod, moi je vais mettre un pod. Oh, de me pod! Faire un pod complet, pour ça. Bah, juste pour les emmerder, ouais. Bah, s'ils emmerdent tout le monde. Bah c'est pour ça je te dis juste on fait les batteries sur on va débloquer les batteries sur aberration Ah enfin il va aller sur AB depuis le temps que je te dis. Ah mais le problème c'est qu'il va falloir les crafter, je sais plus ce que ça prend, je trouve que ça prend des enfin, il faudra y passer par AB quoi. Hein? Quelques batteries, on les recharge et Mais je veux dire on se fait un petit pod Nikki pour qu'il soit AB hein, donc voilà. Nikki? Bah si Nikki. Vous êtes chaud pour le faire hein, go moi chapeau. Faire de la bouffe ou pas moi? Ouais c'est bon. C'est toi qui vient de passer là? Ouais c'est moi, je suis en Ptera autour de la base. Moi je suis plus là, hein. Je vais pas faire un petit stuff vite fait qui traîne à droite à gauche. Ils sont barrés, hein. Ils sont partis. Ils peuvent rien faire. Non, à part justement, c'est pour ça que je me suis pas montré. Ils pouvaient lui mettre des balles, lui mettre des timers. Qu'est-ce que tu vas faire? Bête. Ok, bon. Tu ne peux rien faire. Après, si on voulait. Tu peux ouvrir la porte qui va, s'il te plaît? Refarmer les trucs, préparer les balles, les machins. Ouvrir la porte, s'il te plaît. Oui, laquelle? La grosse? Ouais, la porte, ouais, la behemoth. Allez Dino Gate, merci, bon dieu là. Bon ok, et alors comment on se transfère du coup si on n'a pas accès à un machin? Bah là tu poses tout, tu mets tout nu, tu laisses toutes tes affaires ici. Et tu suicides. Et alors quand tu meurs tu peux changer de map? Bah quand tu meurs tu spawns en Ouest 2 là, le deuxième en partant de Ah oui ok d'accord. Et à côté d'un truc, il y en a partout, justement c'est l'avantage d'extinction, tu peux repartir très facilement.
C'est un peu l'inverse de l'aberration. Bon, aberration, tu prends un drop, un loot crate là et t'y vas. Hein. Vas-y, go, cool beat. Pour y aller, oui, mais pas pour revenir. Revenir, c'est chiant, aberration. Bah, pour revenir, tu passes par une loot crate. Ouais, mais y'en a pas des milliards en fait, c'est chiant à trouver, etc. Ouais. Et des gens, ils sont restés longtemps. Quand t'arrives et que t'es à poil tout le temps, tu sais, genre, quand tu peux pas faire genre mode je me suicide et je vais prendre un drop, tu vois. Sur extinction, tu peux. Oh, je vole. Ouais, je sais, on peut recharger les batteries dans les city terminaux, mais c'est beaucoup plus lent. Mais on le fera sûrement, ouais. Mais le problème des city terminaux, c'est qu'on peut pas les laisser dedans. Parce que t'as pas le droit de privatiser un city terminal, c'est dans les règles. On a pas le droit de bloquer. C'est moi qui donnais la règle. Du coup, faut le mettre dedans et le surveiller pendant un petit moment, histoire que ça charge.